Installez-vous donc confortablement, nous allons partir pour Tactics Ogre Reborn. On continue le début du chapitre 4 et là on va être à l'étape farming puisque le level 32 est accessible maintenant, sous vos yeux ébahis. Et donc ça veut dire que pour ça, alors on a plusieurs solutions, hein. On a la zone annexe qui permet de ramener un peu de matos, mais elle va ramener moins normalement d'XP. Voilà, c'est un peu le problème. Alors attends, déjà faut que je trouve un endroit où il y a une manœuvre, d'accord. Bon, il y en a qu'ici, alors je crois qu'il y a que le port. Hein. Le plus proche, c'est le port. Mais par un prompt renfort. On n'avait pas gagné, je crois, de matériel particulier, donc on est parti direct pour une manœuvre. Hein. On va pas se poser trop de questions. Alors l'avantage par contre, c'est que c'est du 12, et il faut un maître épéiste. C'est plutôt cool. Hop, oh, j'avais le petit dragon là. Le dragon, j'arrive pas à les jouer. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'il serait vraiment utile. J'arrive pas à savoir quand est-ce que les jouer. Parce que le problème... Ah oui. Ah, c'est encore cette map. Ok. Alors l'avantage, c'est que c'est une map relativement facile. Les ennemis sont 27. Bon bah ça, on peut pas faire, on peut y faire grand chose. Je sais pas s'il y a une meilleure map pour les manœuvres. Faudra quand même que je check. Qu'est-ce qu'on... Alors attends, fais voir ce qu'on gagne. Pourtant avant on la faisait pas à 12 celle-là. On gagne de l'XP, ouais, 1100 d'XP, non, clairement, ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, on va jouer avec un peu tout le monde. Ah oui, alors par contre elle a pas de homme. Oui, alors elle... Attends, c'est un cheu, c'est un maître épéiste, hein. Maître épéiste, ok. Donc lui je suis obligé de le garder quoi qu'il arrive. Tac. Oui. Alors on va voir quelle équipe on peut arriver à faire. Hop. Alors déjà on va remettre ça un peu en état parce que là ça ressemble à rien. Il y a des unités que je ne joue absolument pas. Ok. Alors attends, toi on va te dire au revoir, je te ferai monter un peu après. Ok, j'ai mon... Donc là, j'ai à peu près des gens que je joue. Il y a juste un cuirassier, j'ai peur qu'il soit pas équipé. Il est équipé comment, lui? Il y en a un qui doit pas avoir de home, en fait, je pense. Alors, ce qui est pas très grave, on va lui... Si? Ok. Alors, c'est un chevalier... C'est peut-être un chevalier... c'est peut-être un chevalier blanc. Ouais, c'est ça, c'est un chevalier blanc, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... là, je vais en prendre un, puis je vais mettre un chevalier blanc pour mixer un petit peu les capacités. Alors, c'est lequel? Attends, je sais pas lequel c'est qui a pas... C'est bon. Ok, j'ai mis le bon. On va un peu le monter, voilà. Joue plus haut. Ben, on est parti comme ça, là. Bon, en manœuvre, hein, le jeu est beaucoup moins dur, hein. Enfin, logiquement. Hein. Y a pas de raison... Ah oui, si, attends, par contre, lui, il doit pas du tout être designé correctement. Enfin, il est pas prêt à cette bataille-là. Tueur du dragon Osef. On va te mettre... t'as pas traverse-rempart. Traverse-rempart et... Étonnail. Bon, étonnail. Ça sera très bien. Ah, il y en a... Ah oui, attends, il doit avoir... Non, non, c'est bon. Y a pas quelqu'un. Y a elle qui doit avoir une compétence bizarre, non? J'ai pas mis domptage de golem. Voilà, domptage de golem, ça. Alors, clé infaillible, je ne sais pas ce que c'est. Dissipe immanquablement l'effet de verrou invincible. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais lui mettre plus de portée. Hein. Je sais pas ce qu'ils appellent verrou invincible dans le jeu. Si quelqu'un le sait, hein. J'imagine que c'est une compétence peut-être de certains boss, je ne vois pas. Je mets torpeur à chaque fois, je crois que j'ai jamais utilisé tout le truc. Je vais mettre impact météore. Météore de Pégase. Allez, c'est parti. Bon, en plus, c'est une map qu'on connaît bien, hein, le port à Cyton, ou à Cyton, comme vous voulez, Cyton. À Cyton. C'est une map qu'on a quasiment au début du jeu.
Et c'est une map qui n'existe plus si vous avez des Vartans. En vrai, vous avez que des Vartans, vous montez que sur les toits. Et les autres ennemis, en fait, ils n'y arrivent pas. Normalement. Alors par contre, ouais, il faut emmener des unités à droite et à gauche parce que sinon c'est le tunnel de Fourvière. Hein. C'est le seul problème de cette map parce que ça passe pas bien. Et ça... Alors surtout qu'en plus ils vont avoir des magiciens. Alors ceux qui ont une bonne mobilité, je vais leur faire faire peut-être le tour. Voilà, je les mise pas assez loin. Hop. Voilà, comme ça. Si c'est l'archère. L'archère, on sait qu'elle va être... C'est vrai qu'il faudrait plutôt que je la fasse passer sur un des côtés, hein, admettons par là. Ouais, alors là... Le rôle de Canopus, vous le découvrez sous vos yeux ébahis. Donc à part les mettre... Ah ouais, voilà, ça c'est ce que j'aime bien. Évidemment, le truc qui apparaît dans ses pattes. Mais à part ça, le jeu joue du mieux qu'il peut. Hein. En toute transparence, le jeu joue. Hein. C'est quand même assez horrible. Hein. Moi j'aime bien un cuirassier. Ouais, je vais peut-être mettre un. Ouais, non, je vais mettre les cuir. Ah, le problème c'est que s'ils arrivent avec les magiciens. Je vais légèrement le décaler. Parce que s'ils arrivent avec les magiciens au centre. Je sais pas comment ils vont s'organiser, mais. Bon, je pense pas que ça va être non plus très costaud. Parce que déjà, ils sont inférieurs en termes de niveau. Ma personne. Denham, il trace bien maintenant. Alors, Denham, hein, je lui ai filé tous les bonus qu'on récupère dans le jeu. Hein. Étant donné que c'est votre personnage qui fait game over, j'ai joué. Comme un con. Voilà. Je me suis dit, c'est pas la peine de réfléchir. Tu te poses pas de questions, vu que c'est lui qui tue la partie. Si quelqu'un prend en cible, au moins il aura les meilleurs stats possibles. Je pense que c'est une stratégie. Je suis pas sûr que ça paye, hein, mais... étant donné qu'en plus, il a des duels. Alors, ça se trouve, on les a tous passés. Hein, je me suis dit, on s'en balance. Alors, en règle générale, c'est un peu pareil. Hein, Super Robot Tyson, vous ne flattez que... C'est une grande idée de vous être mis comme ça. Il joue la As, lui. Alors ça, c'est chiant, par exemple. J'aurais bien aimé qu'on puisse le savoir, l'arme qu'il joue, sans avoir besoin de rentrer complètement dans les stats. Et ça, c'est le problème du fait que le jeu... Je vais récupérer le attaque plus, c'est plus fort. Mais c'est le fait que ce jeu, en fait, n'importe quelle classe peut jouer n'importe quelle arme. Parce que c'est pas... Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Mais une même classe peut jouer plusieurs armes. Ce qui fait que dans l'identification des ennemis, des fois, c'est un peu compliqué. Là où certains jeux font beaucoup plus simple, parce qu'ils disent, non, il y a qu'une classe, ça maîtrise ça, et point barre, quoi. Voilà. Et c'est vrai que lui, il fait dans la complexité, puisque du coup... Vous pouvez mixer en fait, hein, techniquement. Vous pouvez faire des choses un peu improbables. Je ne sais pas si ça va être, ça vous être très utile, hein, mais vous pouvez l'envisager. Est-ce qu'elle a chargé? Merci. Alors c'est assez rare hein, qu'ils se mettent comme ça là en face. Bon, on va en profiter hein, parce que justement c'est rare. Ah, par contre, il y a bouchon, ce qui n'était pas prévu. Ouais, parce que du coup malheureusement. On va le laisser quand même derrière. Non, on va pas le rapprocher, on va le laisser là. Heureusement, on devrait vite faire le tour. C'est pour ça que j'en avais mis de chaque côté. Tiens, une petite magie pour entretenir la politesse. Bon, c'est pas grave, hein. Si on perd la magicienne, on perd la magicienne. Parce que dans ces maps là, faut expliquer que tout le monde prend de l'XP, même ceux qui crèvent, et il n'y a pas de compte à rebours. Donc ce qui vous permet de vraiment de jouer très bourrin, vous n'osez pas de questions. Après c'est mieux de les garder jusqu'à la fin pour les compétences, mais le problème étant que dans le jeu vous ne pouvez pas faire saute-mouton avec une unité, vous voyez. C'est assez... ce qui est assez pénible. C'est-à-dire que le jeu ne compte pas que vous puissiez, même si on avait le nombre de cases pour aller là, bon déjà là c'est normal parce qu'il y a des ennemis,
Mais même si c'était vos unités, vous ne pourriez pas passer. Ce qui est pas toujours très agréable. Bon après ça va aller hein, parce que on est heureusement voilà, il y a elle qui va attirer l'attention. Et ouais, il y a un truc qui peut bien marcher aussi pour la gestion des cartes, c'est de se mettre devant les cartes comme... Alors là, c'était un peu... C'est arrivé de manière fortuite, hein. Mais ça peut bien marcher. Enfin, c'est arrivé de manière fortuite, non, je pouvais pas aller plus loin, mais pour le coup, oui. Mais ça m'arrangeait de le placer là, parce que je savais qu'il y avait de fortes chances qu'il y en ait un qui essaye de me taper. Comme je l'ai déjà expliqué, l'IA dans le jeu ne cherche pas à prendre les cartes, hormis si elle ne peut rien faire d'autre, hormis si par contre elle peut déjà taper une unité et se barrer. Bah, c'est les quelques cas où en effet elle va chercher... Ouais, il va falloir que j'aille l'aider là. Ouais, on va aller... on va obliger là. On est obligé. On va aller un peu causer. Ça évitera qu'il y en a un qui vienne faire une brochette s'il a un hast. Bon, heureusement, la soigneuse est là. Tout va bien. Mais ma magicienne, elle va prendre un peu cher. Hein. Pas se mentir. Enchantresse, elle est quand même très mal placée. Là. Alors. Oui, bon, bah là, j'ai une grande diversité de choix. Hein. Je vais attaquer lui. Hein. Que je ne peux rien faire d'autre. Alors ce que je vais faire c'est que... Hop, je vais faire ça. Permettre l'autre unité de pouvoir jouer. Ouais, lui il va servir à rien. Lui je vais... Allez, hop, contour. Ça sert à rien qu'il reste. Critique, je peux pas aller le chercher. Alors voyons voir. Là je vais être... Non, là je suis à la même hauteur. Est-ce que je peux faire un tir? Ouais. Est-ce que j'ai pas ma compétence? Dommage. Bon. Bah déjà un petit tir d'arc, c'est toujours ça de prix. Ouais, je me mets pas devant la carte parce qu'on sait jamais, j'ai pas checké s'il y a pas un maître runique qui peut pas venir se foutre là vu que c'est une unité qui vole. C'est les Valkyries du jeu, hein. Pour faire simple. Et c'est vrai que, en règle générale, il vaut mieux se méfier de ce genre d'unités qui sont... Alors, le problème là, c'est que elle. Ah, elle peut bouger. Ça, c'est ballot. Bon, par contre, je vais pas pouvoir faire un coup d'éclat là. Hein. Je suis obligé d'en taper qu'un seul. Hop. Alors, attends, non, je vais pas faire ça parce qu'en fait, comme c'est des. Ah oui, mais je peux pas le taper d'ici. Si, ça, je peux le faire d'ici. Je vais aller le plus loin possible, ce qui ne va pas être une grande aide. Une grande aide parce que, comme je le disais, bah en face, hein, ils sont plutôt. Hop. On va prendre activation de compétences. 436. Là, vous faites vachement de dégâts sur ces maps-là parce qu'en règle générale, vous avez beaucoup plus de niveau que... Un peu dégueulasse par rapport au reste du jeu. Hein. C'est les rares endroits où vous pouvez vous exprimer, quoi. Tiens, il y a quelqu'un qui a un rare rempart, là. C'est pas très grave, hein. Là, je le tue pas. Hein. Il vaut mieux que je reste là, d'ailleurs. Parce que si je recule, je serai pas en bonne position. Par rapport au berserk, et comme il a une moins bonne défense, lui, c'est pas la peine. Tu reviens, Rafifi, et toi aussi, tu viens de pendre le linge. Bah écoute. Alors, je vais pas la mettre là. Parce que sinon, ils vont venir chercher la carte. Ils risquent de venir la chercher quoi qu'il arrive. Ah, ça pour une fois que le jeu triche pour moi, merci. En coup critique devant sa gueule. Et qui est sorti immédiatement. Voilà, vous voyez, là, elle est pas venue chercher la carte. Si j'avais mis le perso devant, elle serait venue taper et chercher la carte. Parce qu'en fait, évidemment, si tu peux faire double peine, tu vas venir me faire. Bon, ça, c'est des petits trucs, hein. Force de jouer, vous allez remarquer ce que fait l'IA. Hein. Même si des fois, l'IA, elle est... Voilà, comme toujours, hein, on sait pas...
sait pas trop ce qu'elle veut faire. Alors, lui, il essaye de clairement aller ailleurs. Ouais. Le cuirassier... Alors, attends, c'est qui joue? Ça doit être lui qui joue. Le cuirassier va jouer, donc c'est pas une obligation. À moins qu'il ait combien... il lui reste combien de vie? 300. Ah, est-ce que le cuirassier va réussir à le tuer? Ouais. Je vais l'aider. Ok, et moi, est-ce que j'ai moyen... Ah là, j'ai moyen d'aller me chercher une bonne carte, là. Hop. Voilà. Alors, le marteau, hein, c'est une arme mystique. Hein. Évidemment, il y a des ennemis qui craignent plus les coups contondants que les coups tranchants, mais je ne sais pas qui sont. Peut-être les golems. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Hop. Attaque physique plus... Voilà, ça fait mal. Donc pas de sac à récupérer dans les manœuvres. Bonjour. Hop. Est-ce que je vous tue? Oui, je vous tue. Avec un simple coup d'épée. Au revoir. Oui, bon bah là on va prendre la carte. Hein. On va pas se faire prier non plus. Il vient de pendre le linge. Il étend pas le linge, Rafifi le pend. Directement. Cet homme n'a pas de cœur, il faut le savoir. Alors après, double point. Fameuse technique employée dans Legend of Dragoon. Double point. Il le dit réellement comme ça. Hein. Je vais utiliser double coup d'arc. Ici, parce que ça fait plus mal. Alors là, elle arrive à viser par-dessus la maison. Parce que des fois... Hein... Oh là là, pff. Avec un petit coup critique au passage. Qu'est-ce qui se passe? Mon archer joue bien. La France est abasourdie. Je prends une carte parce que j'en ai pas pris avec lui. Là. Hop. Il a mal. Ici on est violent avec le linge. Elle a déjà pris compétence elle. Ouais. Bon, de toute façon, on va simplement tuer. Ah, est-ce que j'utilise une petite... Ah, mais je pourrais pas utiliser une petite magie, là. Et je peux pas avancer... Bon. Alors, attends, comment je me... place? Ouais, peut-être là. Hop. Alors que maintenant on peut faire avancer la magicienne, c'est incroyable. Alors évidemment l'attaque magique plus qui est au-dessus, hein, de manière tout à fait normale. Tiens, ça a l'air de faire mal là. Hop. Dommage, je peux pas faire cramer le petit buisson là qui est devant moi. Il prend que un de dégâts. Hein. Ah, coup critique à côté des ennemis. Bah vous voyez, là elle a été chercher la carte parce qu'évidemment elle pouvait jouer et ensuite taper. C'est vraiment le rare. Alors lui il sert vraiment à rien, pauvre. Et là, normalement, elle non plus, elle peut pas la contourner, je crois. Peut-être qu'une fois qu'elle a tapé. Elle est en train de charger toute sa vie. Hein. Ouais, alors il y a tranche-cœur. J'ai bien envie de le... Petite double attaque, là. Là. Là, tiens, un peu de poison. Ah non, elle peut pas passer, quoi qu'il arrive. Ok. Se plaindre de prendre une petite carte là. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça fait mal. Ah oui, j'ai
Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai débloqué Mistral gagnant. Mistral tranchant. Avec le coup ridicule, ça fait mal. J'aurais pu... Pardon, j'aurais pu la laisser mourir du poison. Une en moins. Lui qui sert enfin à quelque chose. Il a paralysé lui sur son... Ah non, c'est une compétence. Oui, c'est pas sur son arme. Il a une... C'est vrai, je suis en train d'y penser. En effet, il a une compétence paralysie. Ah. Alors je suis obligé d'utiliser ça parce que sinon je tape mon pote. Il a sa compétence berserk active. J'ai rien d'intéressant à prendre. Ouais, est-ce que j'irai pas me soigner tranquillement en fait? Je peux pas faire grand chose de ouf. Ouais, je peux prendre ça, mais. On avait déjà une. Hop, récupération de PM. Là, elle active enfin la portée de sa magie. Hop. Ouais, les archers et les magiciens, j'ai l'impression qu'ils deviennent bien, mais alors, presque à la fin du jeu, quoi. S'ils ont 200 000 de compétences, il pourrait être intéressant. Tiens, prends mon coup critique. Ça fait mal. Alors je suis même pas sûr si je peux, ok. Ouais, l'arc c'est pareil, hein. Il faut flopper des cartes, avoir double impact. Ah, là ça commence à faire des dégâts respectables pour un archer. Et pourtant c'est quand même une magicienne, hein, ce qui prouve que c'est pas dingue non plus. Hein. Il qui cherche toutes les compétences de la terre. Hop, terminé. Bon, y a aucune difficulté hein, sur la map. Après, heureusement, hein, parce que les manœuvres, comme je le disais, sont vraiment là. Pour vous simplifier la tâche. Hop, niveau 29. Hop, le niveau de compétence d'armes qui augmente. Et elle a appris aussi un... Il y a un truc... Enfin, elle a pas appris. Il y a une de ses compétences qui a augmenté. On va aller voir laquelle c'est. C'est pas une que j'utilise, en fait, je crois. Ah oui. Alors, ouais, c'est précision des coups. Mais, en fait, le problème, c'est que la diminution que ça fait... Elle est pas très intéressante. Je pense, hein.
Je suis pas sûr d'avoir vu quelqu'un miss suite à ça. Hein. Peut-être que quand la compétence est bien élevée, ça fonctionne. Mais en vrai, hein. Bon bah je suis désolé mais on est reparti. Hein. Ce que j'avais dit, c'est pas ouf passionnant. Hein. Si vous avez des choses à discuter, c'est le moment. Hein. Je peux être complètement concentré, hein, parce que là. Là il faut rattraper le temps perdu. Hein. Bon alors j'en étais toujours sur mon programme là du Jump Festa. Alors le jour de Space Cross Family, Demon Slayer, Dr. Stone, Chainsaw Man, One Piece. Vous avez... Oui. Alors, je sais pas encore si je complète. Mais oui. Cadeau de Noël, c'est verrouillé. Ah, quasiment. Quasiment, parce que des fois, je me dis... Ah, j'en prends un de plus. Voilà. Mais après, j'ai clairement moins de gens que toi. Parce que toi, t'as tous les neveux, non? Ou je sais pas quoi. Ah, Fifi. Toi, t'as Rose, toi. Le Père Noël de ton état. Ouais, alors ils disent que Jump Festan pourrait revoir le film de Black Clover qui avait déjà été annoncé. On pourrait voir peut-être un trailer pour la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui est censé arriver en 2023. Évidemment... Peut-être aussi le live action My Hero Academia, parce qu'il a fuité un peu cette nuit. Et ils ont pas déjà montré un visuel. Je crois qu'il y a déjà un nouveau trailer pour la saison 3 de Dr. Stone. Et Demon Slayers, par contre, aussi, où ils pourraient montrer la prochaine saison. Et on aura sans doute aussi Kenshin. Tu sais, t'as déjà plié tes cadeaux, frérot? Quelle rapidité. Après avoir plié le linge, tac, il plie les cadeaux. J'ai juste acheté un cadeau pour madame. Mais est-ce que tu l'as plié? Que tu nous dis que tu l'as plié. Et sa famille, elle se démerde. J'ai cru entendre aussi que ça y est, le tournage de Dune 2 est terminé. Et le reste de ta famille, ils sont à perpète, du coup t'en vois rien. T'en leur envoies même pas des NFT, ah bah putain. Quelle enflure, hein. Je vais faire passer par là cette fois-ci. Hop. Ils sont à Mayotte? Ah mais ils sont en vacances? Ils sont en vacances ou ils vivent là-bas? Qui vit là-bas? Ton frère? Mon frère? Ok. Et tu as déjà été toi? Me rendre visite? Entre deux trucs. Ah, ils habitent dans les Rhônes, ah ouais non. Oui ok, ça leur fait un dépaysement. Quoique, hein, ils sont habitués aux incendies, hein, s'ils habitent dans les Rhônes. T'as pas envie d'y aller? Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Yot, c'est sans moi. C'est parce qu'ils sont pas très cybersécures. Ça c'est vrai que... Je comprends, ils sont pas assez cybersécures pour toi. S'il était à La Réunion, je dirais pas non. Ouais, bah La Réunion, c'était chaud aussi un moment. Hein. La Réunion, chaud. Et pas que les températures. Hein.
Je la tente différemment, je suis pas sûr que je fasse pas une connerie. Hein. Vas-y, prends la carte coup critique sous ma gueule. Je vais t'aider. C'est pas en guerre la réunion, mais bon, il y a un moment, il y avait quand même, les gens en avaient marre. Hein. Puis quand c'est pas ça, ils sont un peu secoués aussi. Hein. Non, elle, on va évidemment pas l'avancer. Hein. Pour des raisons évidentes. Ah non, parce que là, il va prendre magie plus, là, si je me mets là. Pas ouf. Je vais me mettre là. Et on peut pas se buffer, dommage. Il y en a un qui se promène avec la compétence... Ah non, il y en a un, il a pris silence, d'accord. Ah mais je l'ai toujours, la compétence silence. Ok, parce que comme je la voyais plus s'activer, je me suis dit, je l'ai perdu, tiens. Et cette petite attaque plus... Voilà. Ça, c'est propre, ça. Si j'avance... C'est qui joue après? Ah merde, je peux pas avancer là. Non, surtout pas. Surtout pas. Est-ce que je touche quelqu'un? Toucher simplement. Ouais, je... Ah oui! Hein? Oh bah. Les cadeaux, c'était rapide. Oui, puis on sait que t'es un homme de bon goût, t'as offert un aspirateur à ton épouse. Alors, pour bien lui niquer la gueule, attends, c'est que je vais me mettre. Faut que je me trouve un truc pour aller acheter pour moi, non mais. Oh là là. Oh là là. Ah bravo. J'ai pas d'idée pour me surprendre. Tu t'es peut-être pas pensé à te prendre le coffret des tuches. Je suis surpris. C'est ton rayon normalement. Le coffret collecteur des tuches. Avec les meilleures blagues de billard à l'intérieur. Pour rester dans la thématique. J'ai peut-être ramené ma ninja par là. Hein. Ah, le four est en train de crever. Ah, ça arrive. Hein. J'allais faire une très mauvaise blague, donc j'éviterai. Alors, 247, bah écoute, ça m'a l'air honnête pour de la magie, tiens. Alors notez bien que le maître runique qui n'est pas magicien fait quasiment plus de dégâts que la magicienne. C'est, voilà. Quand je vous dis que dans le jeu, il y a des situations bizarres, donc là j'avais fait exprès de me mettre devant la carte hein, pour qu'il fasse sauter son coup critique, ou je sais pas ce qu'il avait chopé. Ça a bien marché, hein. Oh, j'ai fait 2 dégâts à l'arbre. Salaud! Où sont tes valeurs écologistes? Merde. C'est qui joue après? Chez moi. Denimou, le berserker. Bon, il est loin. Une blague qui a failli faire un four, non. Il a failli faire polémique. Les fours encastrables combinés. Qu'est-ce que t'appelles combiné pour un four? Qui fait grille et four? Qu'est-ce que t'appelles combiné pour un four? Encastrable, je vois. Par contre, combiné, là, je sais pas. Tu peux téléphoner avec? Qu'est-ce que... C'est le combiné, il fait four micro-ondes? Ah, c'est un... D'accord. Ah ouais, les trucs que j'aime pas bien, moi. Qui fait four micro-ondes et four, ouais. Bon, c'est vrai que ça dépanne, quand même. C'est vrai que ça dépanne. Il n'y a pas trop de modèles. C'est un truc qui se perd, peut-être, non? Je sais pas. Attends, je vais mettre mon berserker ici, ça évitera que les magiciennes se viennent se faire taper. Bah écoute, il y a une petite carte attaque plus qui me
tend la main. Comment lui dire non? 180... 195. Bah tu vas prendre un coup de magie dans les fesses. Bien. Bah écoute, oui, je vais soigner, hein, même s'il n'y a pas grand chose à soigner, je vais... Merde, je vais soigner. Hop. Ça évite d'avoir un micro-ondes à part. Ouais, mais moi je suis en combo cuisinière-four. Donc j'ai pas le choix. Obligé d'avoir le micro-ondes à part. Tu vois ce que je veux dire? Sinon j'ai pas de cuisinière. Ce qui est un petit peu emmerdant. Le rose en cuisinière, bon. Voilà. Non, le vrai truc emmerdant ici, c'est que tout est électrique. Donc avec la nouvelle appellation découpeur électrique qui s'appelle le délestage, hein, mot du dictionnaire Petit Robert 2022. Merde, pourquoi... Attends, merde, je fais de la merde. Je fais de la merde. Il faut surtout pas que j'avance la magicienne. Hein. Pardon, excusez-moi. Faut-il laisser aller? Ouais, c'est full électrique ici. Putain, on va pas être bien. Hein. On va pas être bien. Pas une très bonne idée d'être full électrique. Enfin, je parle pour la cuisson, du coup. Hop, je m'attaque plus. Parce que je n'ai aucun respect pour les adversaires qui sont en face de moi. Alors, 2 heures, c'est pas la mort, sauf que pour un streamer... C'est quand même 2 millions en moins. Hein. Parce que tu t'en fous tes salariés. Mais pour un streamer. C'est quand même beaucoup. Hein. C'est une grosse perte. Hein. Une grosse perte sèche. Hein. La tranche 18-20h, c'est pas grave, ouais, ça va. S'ils mettent 18-20h, à la limite, s'ils mettent entre midi et 14h et 18-20h, c'est pas grave, on mange pas. Voilà, c'est un détail, ça. Parce que ça sert, hein. Je vais rester comme ça pour le taper, lui. Tiens. Boum! Quand mon cœur fait boum. Mais je crois que c'est soit le matin... Ouais, mais c'est aux heures où les gens travaillent. En fait, je sais... Alors, je sais pas comment ils vont faire, hein, mais je crois que l'idée, c'est quand les gens sont au boulot, non? Ouais, ton... Alors, si tout est rechargé, oui, mais ton portable, il tient sur la batterie. Mais il faut que tu penses que t'aies besoin d'une connexion Internet pour travailler, j'imagine, Fréon. Donc, il faut aussi que ton téléphone soit rechargé. Pour que tu puisses avoir du réseau. À moins que tu puisses complètement travailler déconnecté. Moi je la laisse là, elle est bien. Hein. Elle fait petite brochette là. C'est bon ça, une petite brochette là, hop. Poivron poulet. Ouah, cette parade sur le premier coup, tiens, t'as pas le deuxième coup, ça t'apprendra. Oui, mais alors, j'imagine que les antennes ne vont pas être coupées hein, dans le délestage. Hein. Il y a des établissements qui ne seront pas coupés, hein, faut pas déconner non plus. Ça m'étonnerait que les antennes relais, elles soient coupées. Hein. J'y crois absolument pas. Hein. Ouais, alors franchement... Bon, on verra, hein. Mais je suis pas sûr qu'il coupe quand même, parce que... Bon, aujourd'hui, couper Internet, c'est quand même chaud, hein. Y a plein de gens qui travaillent pas. Hein. Donc, ouais, je suis pas... Je suis pas sûr que les antennes 4G et compagnie... Ah, je peux pas le déplacer là. Bon, je vais le déplacer là. Tiens, je te rends ta parade. Qu'est-ce que tu dis de ça?
Oh, ce petit coup critique, fait mal. Tiens, vas-y, tape-moi. Ça, tu prends une bonne riposte et ça tape ta copine à côté. T'as bien fait. Oh non, mais moi, je m'inquiète pas trop. Il y a des coupures, il y a des coupures. Hein. On verra bien. Hein. Là, il y a des températures quand même un peu extrêmes. On n'a pas eu de coupure. Hein. Donc bon, on va bien voir. Hein. Non, ils couperont l'électricité, tu vois, quand les gens n'ont pas besoin. Genre le soir du 24 décembre, le 31, voilà, à des moments où les gens font absolument rien. Pas déconner, donc. Ils respectent quand même. Ils respectent les gens, au minimum. Tiens, gros coup de hache entre les deux yeux. Je sais, ça fait mal. Goutte de mon bâton de joie. Et la coup critique, lui aussi, tiens. C'est marrant, hein, ils ont tous coup critique, là. Est-ce que j'arrive à toucher quelqu'un? Pardon. Est-ce que j'arrive à toucher quelqu'un? C'est pas dit. Alors, 128, ça tue. 119, ça tue pas. Ah, c'est un peu con d'utiliser double coup, mais ça tue là. J'aurais pas dû charger double coup avant. Double point était en trop ici. Petite magie de feu. Ouais, bon bah là, faut se déplacer. Après niveau conso, je pense que je peux pas trop optimiser. Chauffage récent efficace, chauffe eau récent aussi. Bah, alors, en fait, toi, tu dois être plutôt, hein, alors pas un gros consommateur d'électricité, mais plutôt plus, étant donné que tu télétravailles. Alors, ça sera pas le cas d'ici, si j'ai bien compris, les 3 premiers mois de ton nouveau job. Mais du coup, quand t'as quand même des besoins plus élevés qu'un salarié qui travaillerait pas en télétravail. Pour ton domicile, hein, j'entends. Évidemment. Le chauffage plus la lune du PC. Ouais, alors à mon avis, en plus, ton PC comparé au chauffage, ça va être négligeable. Ce qu'il consomme. Là, ils auront jamais bougé de là. Hein. Ils se prennent que des brochettes. Et ils auront jamais bougé de là. Hein. Alors là, vous voyez, c'est étrange. Pour une raison que je ne sais pas, ici, je peux faire saut de mouton. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Bon, alors, c'est pas grave, hein, je vais taper Canopus. Prends le risque. Ah bah non, je l'ai pas tapé. Wouah, ce strike. Tiens, il y a parade aussi, derrière. Je sais pas pourquoi il a pas tapé Canopus, parce qu'il me semble qu'il tape ses potes, le Berserker. Sinon ça serait un peu con de s'appeler Berserker. Il a fait peut-être une petite parade, non? J'ai pas fait attention.
peut-être faire une petite parade. La cafetière, ah oui, la cafetière, j'avoue. La cafetière, ouais. Ah, la cafetière. Surtout que toi, t'as une cafetière qui va chercher directement le café à la source. Donc c'est plus cher, hein. Ça consomme plus. Hein. Pour ajouter le kérosène pour l'avion, tout ça, ça consomme vite. Hein. Ouah, attends, c'est la max, là. Je remets un peu trop. Ouais, tiens, ça suffira. Ah ouais, non, elle fait tout, la cafetière. 277... 377... Ça peut mettre pétrification, au passage. Bon, ça l'a pas fait, mais... Bien sûr, mon gars, que je vais chercher attaque plus. Si tu crois. Tac. Là, je l'envoie. Bah, rien du tout, parce qu'elle est trop proche. Décidé de m'embêter, toi. Bon, alors, attends. On va faire autre chose. Tir assoupissant. J'ai toujours l'impression que c'est Olympe, la lessive des dieux. J'aime bien comment ils tombent quand ils sont endormis. Bah. Ah, mort du poison. Ça sera marqué sur ta tombe. Portée prolongée. 140. Mais on va tuer là. 142. Hop. Tu niques le climat? Quelle souplesse. On sent que t'es un homme jeune et fringant quand même. On reconnaît en toi l'athlète. Alors, est-ce que je peux tirer une petite flèche, la cacher derrière l'arbre? Malheureusement, ça ne me protège pas l'arbre. Est-ce que j'ai double point? Non, rate-toi. Bon, ouais, ça sera sans double point. Splush. Ah mais j'avais encore double attaque? Bah comment ça se fait que j'avais encore double attaque? Elle reste pas qu'un tour la compétence? Elle s'est réactivée? Bizarre. Peut-être que la carte compétence la maintient, mais... C'est étrange, j'ai jamais remarqué spécialement ça chez les autres unités. Bon, ouais, je sais pas. Tant mieux. Hein. Ah bah oui. Beaucoup moins de kilomètres en bagnole. Hop. Niveau 30. La compétence qui monte très doucement du berserker. Ouais, la compétence pour les golems, c'est pas que le Osef est présent, mais pas loin. Et mes hastes... Eh, les hastes qui sont pas loin de monter 30, hein. J'imagine qu'il y a une nouvelle technique à 30. Bon, bah écoutez, hein, on est reparti. Avant le Covid, tu faisais... ah non, on faisait à 2, 1h30 de bagnole par jour. Ah oui, quand même. Ça fait un petit peu de pollution en moi. Hein. Oui, ça fait un peu de pollution en moi. Après, hein, c'est quand même dur de pas polluer en 2022. Hein, parce que n'importe quoi que tu fais, en fait, tu pollues indirectement. Hein. Tu
commandes un truc, tu pollues. Tu mets des solutions non polluantes, bon, au final, tu pollues. C'est quand même assez compliqué. Si tu comptes toutes les merdes qu'on commande en ligne, parle pour toi, hein. Parle pour toi, moi j'achète que des choses utiles, hein. Sorti d'avancer avec le climat, bah non, c'est plutôt perdu, ouais, avec le climat. Regarde ces heures que tu passes sur Twitch. Regarde ce que je pollue avec ce que j'envoie sur Twitch. Je vous pollue les yeux, le cerveau. Une honte. Esquiver la carte attaque, mais l'autre qui s'arrête. Alors par contre, là l'IA a très mal joué, hein. Parce que l'autre, elle aurait pu prendre la carte. Hein. La berserker, franchement, tu dis pourquoi t'as pas été prendre la carte à une case de moins. C'était quand même gagné. Hein. Voilà, lui au moins il s'arrête sur la carte coup critique. Non, en fait, parce que je peux aller le taper. Donc c'est pas une obligation. Il risque d'aller chercher la carte après, mais c'est pas très grave. Carte magie, je vivrai très bien sans. Ah, ça se met bien quand même en face niveau des cartes. Hein. Je sais pas ce que c'est qui monte comme compétence quand tu gardes comme ça. Bah je touche absolument. Ah oui, parce qu'elle a pas activé. Ouais, elle a pas activé. Portée en plus. Ah dommage, il a perdu ses atouts. À avoir mal là parce qu'on a 3 niveaux de plus qu'eux, donc c'est vrai que. C'est pas très fun pour eux. Hop! La petite brochette. Ah, c'est la riposte peut-être qu'ils augmentent. Ah non, parce que quand il fait une garde. C'est bizarre, ils ont pas de compétences de garde, donc je sais pas, je vois pas que ça correspond. Ça correspond peut-être à quelque chose, mais pour le coup, je vois pas. Je vais prendre coup critique, c'est plus fort. Puis c'est sur le toit, donc il y a que lui qui peut aller chercher. Enfin, et que ceux qui volent, quoi. Mais dans mon équipe, il y a que lui.
Ça va faire sortir les magiciens, ça a l'air cher. Attaque plus sous le manteau. Il y en a un qui a été pétrifié, tant mieux. Ah, j'aurais pas dû le déplacer, ouais. Parce qu'il pourra pas jouer. Allez, on tape tout le monde. J'hésitais entre faire ça et aller chercher la carte, mais... Ah, elle peut pas soigner, ok, bon, reste là. Ouais, elle peut toucher avec aucune technique. Ok. Bon, on va faire comme ça alors. On va toucher avant et se déplacer après. T'es la double coup critique qui commence à être inquiétant lui. Mais là, elle peut pas tirer tout de suite, mais... Bon, ça... What? Et là, elle arrive à tirer par-dessus la maison. Je comprends vraiment pas toujours les archers. Hein. Petite danse du lion.
Soin majeur ici. Ouais. Moi je m'expose un peu aux flèches. Voilà. Un de moins. Lui la magie, il s'en fout. À l'arc, ça, ça va pas tuer. Ah si, avec le coup critique ça tue. En même temps il avait deux cartes coup critique. Les ninjas qui servaient absolument à rien. La pauvre. Ouais, riposte critique, ça fait mal. Lui aussi, en même temps, il a pas servi à grand chose, le cuirassier. Le problème, c'est que là, on n'aurait même pas besoin de 12 unités pour faire cette map. Hein. C'est vrai que... c'est un petit peu too much. Tiens, reviens par là, toi. Alors, est-ce que j'arrive à lui mettre une flèche entre les deux yeux? Ah, j'aurais dû lui mettre double tir. Petite pêche dans la fraise pour monter sur un peu de compétences. Alors voyons voir, on en est où? Donc la 31, ça veut dire qu'il faut encore que je le fasse encore une fois. Ouais, personne. Qui a pris de comp? 29, ouais, après passer le niveau 30, là ça va être... bon, on est reparti pour une autre fois. J'ai juste une petite pause. Mini pause, je reviens tout de suite.
de retour. Un projet en Chine, Fréon, ils veulent faire de la reconnaissance faciale. Eh ben. Ça n'a pas l'air super respectueux de la liberté, mais bon. On est parti pour la faire au moins une autre fois. Hein. Allez, go. Ouais, comme ça, on sera pas mal, même si c'est vrai que pour aborder la suite, ça aurait été bien d'avoir les compétences 30. Hein. Je pense que ça serait pas de refus. Quand on voit par moments la violence du jeu. Là aussi, c'est un peu bizarre que ça mette des artworks identiques à gauche et à droite. Des persos qui jouent. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, je sais pas pourquoi ils les ont mis en miroir. Bon, c'est juste pour un effet de style, hein. Pas gêné de la faire passer par ce côté, cette fois-ci. Parce que la ninja, là, elle a servi à rien. C'est pas facile en même temps, ouais, là, de faire le tour et de taper les unités qui sont au centre, parce que ça arrive plutôt par le centre. Cartes qui sont apparues là. Attendez, je reviens. Heureux, cette fois-ci pour de bon. Alors, on était où? Ouais, donc elle peut pas jouer. Ça serait dangereux de la faire jouer. Mais ils ont pas avancé très vite de ce côté. Parce que j'ai déjà pu mettre mon maître épéiste de ce côté, c'est marrant. Et comme quoi, ils jouent jamais bien pareil. Hein. Oui, bah là, on réfléchit pas.
Alors, est-ce qu'il y a de quoi placer une petite magie? Hop. Je dois pas essayer Météor, d'ailleurs, faut vraiment que j'utilise. Parce que je l'ai mise Météor sur ma magicienne, même si en règle générale, je joue là. La magie qui correspond à l'élément du personnage. C'est toujours un petit peu plus puissant. Alors je vais pas me mettre là pour des raisons évidentes qu'il va aller chercher la carte. Ouais, on va se mettre là, juste histoire de dégager les magiciennes. Il y a un truc... Ah, je crois que ça y est, elle a sa compétence niveau 30, ça va être le premier perso à l'obtenir. Il y a un truc que l'IA a vraiment du mal à gérer, c'est les ripostes. Hein. Ouais, je peux comprendre parce que le fait que les persos ont des hasts, c'est ce que je disais, c'est pas visible en soi. Parce qu'ils ont pas leurs armes à la main. C'est vrai que ça aurait pu être cool, ça. Mais c'est vrai que dans d'autres, tu te poses absolument pas la question parce que ils ont leurs armes à la main et du coup, tu sais ce qu'ils jouent, quoi. Et c'est vrai que dans le jeu... C'est pas le cas. Voilà, cette parade qui nous a faite. GG. Ouais, y'a personne à soigner là en fait. Au final, j'ai. Ah, y a lui là. Je vais mettre un petit coup. Mais... Ah! Ah bah si, attends, je peux mettre mon soin majeur comme ça. J'avais pas vu qu'elle était devant. Oui, c'est vrai qu'ils se sont tapés les uns les autres parce qu'ils étaient en aligné. Donc lui, maintenant, il peut plus bouger. Hop. Donc là, on va faire circuler. Bon, là, elle doit pas pouvoir tirer ici, ouais. Là, ça pose problème, ok. Ouais, les cuirassiers, évidemment, ils se déplacent pas bien. Hein. Qui est assez logique. Hop! Ah, je vais pouvoir l'utiliser, tiens. Tiens! Ça fait tellement longtemps qu'elle n'avait pas joué. Elle a pris un niveau de compétence par arme. Elle joue deux armes, elle. Hein. J'ai fait le choix. Ah ouais, mais là... Bon, je vais la déplacer juste pour jouer autre chose, mais en vrai, là, tu peux faire des bonnes brochettes, là. En fait, j'aime bien laisser comme ça, mais bon. Faut que je laisse passer un peu les autres. Oula, ça a l'air orage. Attends, je vais utiliser, j'ai jamais utilisé ces nouvelles tech. Ah oui, d'accord, ça touche. Wouah, la compétence 30, elle est multi-hit là, sur le hast. Oh là là. Tu vois ? C'est de la magie, c'est... Ouais. En plus, ça vient pas de la classe du perso, hein. Il prend combien, 146 ? 212, ouais, j'ai juste envie de magie. Hop, 247. Je vais faire reculer. C'est le chevalier après qui joue, donc je vais me mettre là. Hein. Hop. Ouais, j'ai réussi à dézinguer là. Ouais, quand tu dézingues les armes, ils peuvent donner les cartes. J'avais jamais fait gaffe. Je sais pas combien de vie a un arbre dans le jeu. Ah, lui aussi, il a prise la compétence.
Ouais, elle a toujours tapé l'archère, elle a quoi qu'il arrive. Ouais, y a pas grand monde à soigner là. Boum! Ah, pas morte. Il en reste un tout petit peu. Je vais finir la magie. Et chercher la carte attaque plus. Voilà, attaque plus et coup critique. Il se met vraiment bien. Ah, j'ai encore oublié d'utiliser Météor. Ah bah dis donc, ça va les attaques plus? On se les distribue. Ah, ils ont fini par la tuer, elle avait pris excessivement cher. Parce qu'il n'arrêtait pas en plus de s'acharner dessus. On va peut-être pas sortir 825, ça va suffire. Hein. Hop! Un autre attaque plus. Est-ce que je le tue juste avec une magie? Ah sinon je peux utiliser... Ah oui, je vais utiliser ça. Oh là là. Ah c'est bien hein. Oh mais décidément, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a que des attaques plus qui sont sorties dans le coin. Ah, c'est un, je vais utiliser Météor. Ouais, ça touche comme ça peut, ouais, Météor.
Tiens, un caillou, tu l'as oublié? Je vais être obligé d'utiliser ça, ouais, parce que là, il va taper. Hop. La compétence de Berserk qui était inutile. Berserk qui arrivait d'ailleurs à la série des années 90 sur Netflix. Il y en a un qui essaie de survivre comme il peut, là. Parce que tu croyais vraiment qu'en te mettant sur le toit, t'allais être protégé. T'as un petit peu rêvé. Oh oui, ça se tue ça. Oh oui, c'est qu'il a chopé plein de cartes lui. Il a pas besoin... Hop. Et ben c'est rincé. Donc là on a avoir atteint niveau 32. Ouais mais clairement par contre la hache c'était un meilleur choix. Je pense que c'est un meilleur choix pour Denham. Les épées à... Épée à une main comparé à hache à une main. Ouais, et les compétences et tout, fais voir. Ah mais c'est peut-être ce qu'on avait. Alors, technique d'arme qui est montée pour Canopus, pour Obirim aussi, donc le maître épéiste. Pour l'Aria aussi, les trucs qui sont arrivés. Aria, c'est mon enchantresse. Plus on a vu l'Aléaste qui ont débloqué une technique à la compétence d'arme. Ah, c'est cool ça. Alors attends, on a dit Aria. Ah oui ok, elle a éther gravitique. Concentre la lumière en une masse. Une grande pression pour infliger des dégâts contendant. Le codex qui est à 30, le bâton qui est à 30. Une grande force golem qui est augmentée, ok. Non. Lui il a rien, je crois. Ah oui, Canopus a une technique supplémentaire. Canopus, il a frappe enflammée. Qui a été donnée par son arc. Qui demande 62 PM. Ah oui, parce que les techniques d'armes, ils peuvent en utiliser jusqu'à 8. Ouais, je sais pas jusqu'où ça monte, mais 8, c'est énorme en fait. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait autant de... Ouais, en fait, je pense que c'est 4 par arme. Et comme il y en a qui peuvent jouer, ou tu peux jouer 2 armes dans le jeu... Ah ouais, alors Obirim, fais voir ce que c'est. Fleur solaire. Katana de main donne à ses sentiments la forme de boule de feu et les projette sur une unité pour lui infliger des dégâts. Contendant également. Ok. Donc là c'est du feu. Alors je sais pas si c'est du feu parce qu'il est feu. Si c'est forcément feu, tous les katanas, leurs compétences. Et ça peut infliger précision des coups en moins. Ok. Et ouais, donc ça, on l'a vu. Aura gigantesque. Ouais, non, là, c'est pareil, ça fait de la foudre alors qu'elle est feu, elle. Hein. Donc c'est un complètement indépendant de la nature de l'élément du perso. Mais alors en plus ça touche sur 5 cases quoi, donc ça c'est vraiment cool, ça c'est en croix donc bon, ça demande 60 mais c'est vrai que ça s'apprécie bien. Et par contre ouais, son
Même à 32, les PV ont toujours pas augmenté. Ouais, les PV max, augmentent pas. D'ailleurs, c'est pareil. Elle, pourquoi... je sais pas pourquoi j'ai laissé ça. Alors que je peux mettre conserve PM. Puisque ça fait très long... C'est peut-être parce que je l'ai récupéré il y a pas si longtemps. Je vais voir comment il est configuré. Attends, ils sont configurés mieux que ça, ouais. PV max augmenté. PM max... Est-ce qu'il y a conserve PM? Réduit le coût en PM du prochain sort. Ah, mais... Non, c'est... D'accord, quand ça s'active... Ah oui, c'est vachement intéressant, ça. J'avais pas vu qu'il y avait ça qui s'était débloqué sur les guerrières uniques. Alors, attends, il est où mon autre guerrière unique? Qui est sans doute ma classe préférée du jeu avec les Vartans. Hein. Maître EPI, c'est pas mal, mais ça manque peut-être un peu de puissance malgré les buffs. Alors lui, j'ai mis Résist Pétrification, ça devait être... Ok. Et lui, ça fait longtemps que j'ai pas été voir, il a... Ah, ça, c'est celui qui esquive des coups à résistance au vent, qui diminue l'esquive, ouais. Pas ouf. Je préfère El Colas des vents. Qui augmente la précision et qui rajoute des dégâts de vent à vos attaques. Il est pas loin de monter sa compétence à la hache aussi, hein. Et lui, par contre, ouais, il en a... Eux, ils en sont encore loin, ouais. Ah, quoique celui à la haste, il est 29, c'est pas mal. Lui, je l'ai moins joué. Donc, j'essaierai de continuer à monter quelques unités en XP d'ici demain. Ouais. Bah ouais, parce qu'il faut qu'il y ait encore quelques troupes. Parce que j'ai ma dompteuse au moins. Qu'est-ce que j'ai? Ma dompteuse. Ouais, ma chevalière de l'effroi, faudrait que je lui achète un homme quand même. Histoire de pas à chaque fois être obligé de switcher là. Les cuirassiers aussi, parce que quand on a du dragon ou de la bestiole, c'est vraiment utile. Et ça sera à peu près tout, je pense. Il y a deux chevaliers blancs, mais j'en ai déjà XP1, PXC1, donc j'aurais plus qu'à PXC un autre. J'en ai pas tant que ça en fait, hein, au final. Ça va aller. Sachant que je suis obligé de garder le maître EPI pour avoir le petit bonus d'XP. Peut-être que je mettrai un chevalier, mais pff, les chevaliers, en fait, le problème, c'est leur arme, quoi. S'ils jouent pas autre chose qu'une épée, la classe n'est pas vraiment intéressante. Même une épée à deux mains, c'est pas si dingue que ça, hein. Au final. Oh. Et la hache a vraiment le dessus. Car en termes de dégâts, tu vois qu'avec une hache, tu... beaucoup plus le taf. Hein. Même voir que par rapport à une épée à deux mains. Donc, c'est comme ça. Merci d'avoir suivi ce stream. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain matin avec potentiellement un café matin à partir de 9h si il y a suffisamment d'actualités à traiter. En tout cas, quoi qu'il en soit, on se retrouve à partir de 9h et s'il n'y a pas café matin, nous jouerons à Tactics Ogre. Nous essaierons de continuer ce chapitre 4. Et l'après-midi, on continuera également Tactics, hein, puisqu'on est mercredi et ça sera de 16h à 18h, comme chaque mercredi. Voilà, bonne soirée à toi Rafifi, bonne soirée à toutes les personnes qui sont passées ou qui ont regardé ce stream. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye et gaming, portez-vous bien.